19 États ont fait sécession. L'armée américaine intensifie ses actions. La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride. Le président, qui entame son troisième mandat, assure que ce soulèvement sera rapidement maîtrisé. Dites-moi si vous voulez essayer quelque chose. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre civile qui se déroule dans tout le pays? Nous, ce qu'on veut, c'est rester à l'écart. Avec ce qu'on voit aux infos, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mes chers compatriotes américains, les soi-disant forces de l'Ouest, du Texas et de Californie, ont subi une défaite très importante face aux forces de l'armée des États-Unis. Monsieur le Président, est-ce que vous regrettez l'utilisation de frappes aériennes sur nos citoyens? Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Mon instinct me dit qu'on va y rester. Allez-y. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Je crois qu'il y a comme un malentendu. Quoi ? On est américain, d'accord ? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ? Les forces de l'Ouest atteindront la Maison-Blanche le 4 juillet. C'est pas vrai. Montez dans la voiture ! Montez dans la voiture ! Allez, allez, allez ! Restez en dehors de ça. C'est hors de question. Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique.